aujourd'hui, je vous présente le Barf and Tag avec mon chum. Puis ça l'a tout pris pour l'amener jusqu'ici. Fait que j'espère que ça vous intéresse. Si oui, regardez ce qui suit. Première question, depuis quand êtes-vous ensemble? Ça va faire 8 ans dans quelques mois. Le 15 octobre, c'est la journée, c'est notre journée officielle. Qui a fait le premier pas? C'est dur à dire. C'est moi qui ai donné mon numéro de téléphone. Mais c'est moi qui t'ai abordé à l'école. Mais c'est toi qui m'as abordé à l'école. Là, ça ne demande pas où est-ce qu'on s'est rencontrés, mais nous, on s'est rencontrés au cégep, dans la cafétéria de l'école. T'es pas mal belle. Dans le fond, j'étais assise à côté de lui dans la cafétéria, puis on était juste nous autres, fait qu'on a commencé à jaser, puis ça fait 8 ans qu'on jase. On s'est fait présenter par un ami commun. Ouais, c'est vrai, c'est un ami commun qui nous a présenté, dans le fond, qui a fait comme allô. Il nous a laissé tous les deux, fait que j'ai pas eu le choix de déjeuner. Ouais. Quelle a été votre première impression? T'es très jolie. Moi, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Je le trouvais beau aussi, là. Tu sais, comme. Bon. C'est la beauté. Ce que je veux dire, c'est que. Tu l'as cherché loin. Non, mais je l'ai trouvé particulièrement sympathique. Tu sais, les gars, ils étaient sympathique. Pas... Tu sais, comme, il m'a pas abordé en me disant: tu veux-tu qu'on écoute un film puis une bouteille de vin? Fait qu'en partant, ça a donné un morceau de robot. Avez-vous des traditions? Aller aux pommes? Ouais, on va aux pommes. Ça a été notre première date, aller aux pommes, parce que... Je l'ai pas invité à écouter un film avec une bouteille de vin. Il m'a... Pour notre première date, il me dit: hey, ça t'a dit qu'on aille aux pommes. Je me rappelle que j'étais dans un de mes cours au cégep, puis je montre ça à mon ami. Mon ami, il a été comme: wow, aux pommes, c'est vraiment cute! Moi, j'ai passé pour un vrai quétaine, mais je crois que ça a marché. Ça fait 8 ans. J'ai capoté, je trouvais ça tellement cute, puis moi j'adore aller aux pommes. Il m'a eu par les sentiments. Êtes-vous partis en vacances ensemble et où? Toujours à Québec. Oui, nos premières vacances, ça a été à Québec, puis on est aussi allés dans le sud, en République dominicaine. Ah ben oui. Quand Evelyne, elle avait 3 mois, on est partis en vacances avec mes parents dans le sud, puis c'était vraiment le fun. Qui a dit je t'aime en premier? Moi. C'était lui. Au début, j'étais comme wow, là. Elle était pas prête. Je suis pas prête à ça. Mais maintenant, j'adore entendre ce son doux à mon oreille. Vous sortez manger au restaurant, comment il ou elle va-t-elle s'habiller? En jean. Ouais, en jean. Avec un t-shirt. Lui. Puis moi, des fois, je sais pas, avec un chandail. Des fois, j'ose porter des talons hauts. Quelle est la nourriture qu'il ou elle n'aime pas? Lui, il aime pas les noix. Les fruits séchés. Quoi d'autre que t'aimes pas? C'est pas difficile, il est pas difficile. Sauf que, tu sais, les noix puis les fruits séchés, il y en a dans pas mal d'affaires. Toi, qu'est-ce que t'aimes pas? Beaucoup de choses. Les fruits, les légumes. Non, j'aime un petit peu ça, là. En tout cas, je me force à aimer ça. Quelle est sa boisson préférée? Ben, le café. Thé glacé. Oh my god! Le thé glacé. Je bois un thé glacé par année. Lui, il aime le café et non. Ce qu'il aime le plus par-dessus tout, c'est l'eau pétillante. Mesdames et messieurs, c'est le plus grand consommateur d'eau pétillante ever. Quelle est sa pointure de chaussure? Est-ce que tu sais quelle pointure de chaussure je chausse? Du 6. Oui! Il porte du 12 ou du 13. De quelle couleur sont ses yeux? Brun. Brun. Je suis daltonien, mais je m'en rappelle. T'es daltonien. Sa musique favorite? Toi, t'aimes quoi comme musique? Moi, j'écoute de tout, elle l'aime tout. Tes musiques? T'as quoi une musique un petit peu bizarre? Ouais, quand je m'entraîne. Une musique agressive. Ouais, est-ce que vous entendez les enfants qui jouent en bois en passant? Que peut-il ou elle faire pendant des heures? Dans le bain. Je prends mon bain, j'en 10 minutes. 15 max. Bon, mais tu le prépares pendant une heure. Ben lui, il cherche des choses sur internet pendant vraiment longtemps. Genre s'il fait comme, oh, ça prendrait une nouvelle balayeuse. Il va bosser, genre, pendant une heure, étudier les balayeuses. Trouver meilleur. Quels sont vos points en commun? Pas notre grandeur. Non. Je pense que les deux, on aime rire, hein? On est fous. On est fous. On s'aime dans notre folie. Hein? Ouais. Ouais.
Quel est son pire défaut? Lui, quand il fait le ménage, puis que ça traîne partout, genre, partout, il va genre ouvrir le tiroir le plus utile, puis se mettre à faire le ménage là-dedans. Sauf que moi, quand je vais faire le ménage, je peux pas commencer par où je veux. Faut que je commence par où elle veut, parce que sinon, c'est inutile ce que je fais. T'es pas capable de me dire. Oh, c'est parce que quand je suis fâchée, je pèle pas. Je boude. Puis elle me le dira pas de la journée qu'elle est fâchée. Le seul moment qu'elle va me le dire, c'est quand on est couché, qu'on veut dormir, puis là, on va dire, oh, chérie, j'ai quelque chose à te dire. Mais là, moi, je veux dormir à ce moment-là. Fait que c'est ça son pire défaut. Désolée. Qu'est-ce qu'il ou elle prend à boire au restaurant? Elle apprend un 7-Up Grenadine. C'est fou, bon. Lui prend de la bière. Tu sais, une petite bière de brasserie. Comment on appelle ça? Des micro-brasseries. Vincent, il tripe sur les bières de micro-brasserie. On a un nouveau membre dans la vidéo. Qu'est-ce qu'il ou elle peut manger tous les jours? Lui, c'est les burgers. C'est comme le plus grand fan de burgers ever. Elle a des dumplings, sauce aux arachides, oui, c'est bon pour dessert, biscuits dans une tasse. Ouais, c'est une accro aux biscuits dans une tasse. La dernière question, qu'est-ce que vous aimez le plus l'un que l'autre? Elle fait mes lunchs. C'est tout? Non, elle est attentionnée. Elle s'occupe très bien de ma petite famille. Je l'aime. Moi, ce que j'aime de mon beau Vincent, c'est que je peux toujours compter sur lui. Il est toujours là pour moi. Il est super gentil. Il est aussi attentionné à moi. Puis, ben, aux enfants. Puis, je l'aime. C'est tout. Fait que sur ce, j'espère que vous avez aimé notre version du Boyfriend Tag. Puis, c'est une vidéo pour célébrer mes 200 abonnés. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Puis, nous, on se retrouve dans un prochain vidéo. Bye! Bye!